Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Raconter. Je veux dire, nous avons une chance, nous avons un privilège de gagner avec nous, capitaine Tara Ernest. Si nous songez bien, qui te prend la parole dans le vol sur Haïti, là, tu dis, je suis content que tu aies réalisé le premier vol li, et la patérie dans le pays. Papa avec maman. Bienvenue à bord. Je te dis, c'est une journée vraiment spéciale pour moi. Parce qu'en 1998, j'ai quitté Port-au-Prince Haïti pour venir vivre ici. Et en 2018, j'ai pris une décision pour m'apprendre à piloter avion. Capitaine, bonsoir, bienvenue à Raconter qui joue. Bonsoir, merci, très bien. Premièrement, merci pour l'invitation. Très content que je l'ai jeudi à voir pour me faire un petit parler. Et bon, je n'ai pas mal. Pas mal. Avant que nous parlions de toute bagaille, et qui dernière fois vous voulez là? Dernière fois, jeudi à qui je dis. Peut-être deux jours. Deux jours, c'est là. Je suis allé à Montego Bay et Dallas, et puis je suis retourné à Miami. L'autre fait atterrir en Haïti l'autre juin, on fait le premier vol loin, oui. Commercial, ou pas de quoi, il y a ça. Non. Qui garde de gain? Bon, l'aime fait premier volant, rentré, m'te premier officier. Non, c'est Tara Ernest. M'te premier officier volant ici, hein. M'a fait volant pour nous. On rentre la caille, yeah! Et qui, différence qu'il y a entre deux positions, ça? Alors, deux positions, c'est deux différents niveaux. Capitaine, c'est lui-même qui premier, qui a un dernier mot dans tout ça qui a passé dans l'avion et premier officier en deuxième. So, alors, normalement, on va voir capitaine, là, chita sous bord gauche, mm-hmm. Et premier officier à chita sous bord droit. Très bien. Je dis, où on sont pilote, capitaine, dans une compagnie qui est plus prestigieuse, qui gagne dans le monde, là, American Airlines. Et est-ce que tu as grandi ou tu es pilote en avion? Pas du tout. Je grandis, au contraire, je suis toujours le psychiatre. Ok. So bagay pilote, hein, ça pas déjà m'était dans tête moi du tout. Et c'est à l'âge de 17 ans que d'aller non faire, par contre, comment dire ça, en foire, oui. Mm-hmm. Et t'es gon hand gliding, ride, et monter là-dedans, et puis m'était remis sensation d'être en l'air. So, normalement, m'da cherché qui j'aime qu'a toujours joué une sensation ça, et puis c'est là, ça me décide, oh bon, voile pilote. So, à 17 ans, à vous êtes tout en vie en pilote. Exactement. OK. Maintenant, petit jeune qui a 17 ans, 18 ans, bon, c'est une période dans la vie au côté que, y a envie de, il y a des carrières que vous visez, soit parce que on a fait, soit parce que j'en t'ai dit, ou vous expérimentez un bagage. Mm-hmm. Mais qui doit le confirmer? Qu'on dit, voilà, et c'est pas un feeling seulement que lié, son choix de vie. Qui doit le confirmer ça? Bon, vraiment, je pense que, me fait confirmer. So, alors, nous, quand y a nous, 16 ans depuis le ça, presque 16 ans. OK. Au bien l'âge, vous, voilà. Je connais l'âge. Mais comme si à chaque fois, je suis dans un parcours, ça, mm-hmm. Comme si, il y a un moment que je ne suis pas vraiment trop sûr si c'était ça que je suis supposé faire. C'est ça. Parce que tu as tellement d'obstacles, tellement de défis, je ne suis pas vraiment sûr comme si c'était pour moi. Des fois, je me demande comme si, est-ce que bon Dieu, pas vlem nan karyè sa, mm-hmm. Est-ce que c'est peut-être ça me gagne tout difficulté ça yo, mm-hmm. So alors déposer tellement pas quelques questions, est-ce que vraiment ça c'est ça me supposé à faire dans la vie, mm-hmm. Mais peut-être joue ça après joue ça me réaliser pas gagne l'autre côté me supposé. Wow. Mm-hmm. Mais là on parle d'obstacles, mm-hmm. Ça intéresse me connaît qui sortir confronté comme ça. OK, donc on paquet. Premièrement, comme si l'on décidait 17 ans comme une jeune fille haïtienne que vous voulez piloter un avion. Premier bagage que me réaliser c'est que pas jamais rencontrer un pilote. Je pas contre qui j'en pour me venir en pilote. Le premier problème là c'est comme si pas un guide, pas un monde qui a montré qui ça pour me faire, qui côté pour m'aller pour réaliser rêve là. Mm-hmm. So, ça c'est le premier problème là. Deuxième là c'est quand hier ça rentré là-dedans, il coûte un paquet de copes. Mm-hmm. So, financièrement c'est un autre obstacle pour moi. Et t'as dit troisièmement vraiment c'est que comme si l'aime t'a grandi spécialement à l'école, bagaille était toujours bien facile pour moi comme si
dès qu'on fait bon note, etc. Mais là, m'arriver dans commencer à apprendre qui j'ai pour me piloter, c'est pas naturel pour moi. Il pas so, alors ça vient prendre mon paquet de temps, mon paquet de fois que comme si m'pas passé un examen, wow. Etc. Et puis ça te vient faire émotionnellement, qui te vient affecter. So alors c'est type d'obstacle ça, je m'a dit. Est-ce qu'il y a des moments et côté du coup, by vague, quand ça va pour by vague? Parce que bon, difficulté en pile. T'es qu'on des fois que comme si le m'a pas la zamim, comme si me frustré, m'a a dit bon, m'a quitté ça, m'a quitté ça. Mais vraiment, type de genre de monde que m'y a, m'a pas capable. Parce que t'es tellement dur, comme si m'a fait comment son bagage faut me finir quand même. So me qu'on dit ça même pas de jambe comme si c'est pas loué. OK. Pas la bien faire. Mais ça va dans pile top et on peut regarder au monde qui carte mais go carrière en tant que pilote professionnel ou commercial, ma connais. On a différents niveaux gain yo. On regarde qui étape yo, est-ce que le mode combien de temps ça m'a dit qui différentes étapes avant qu'on arrive à piloter un avion. OK. Ça dépend de qui pas comprend pour faire, gain différentes options, ou ka aller militaire, ou ka faire civilien tant que moi-même, dans université, et gain l'école qui pour, l'école juste piloter seulement, ou comme, so dans militaire là, ce ka prend, ça dépend de qui avion yon mette là-dedans, etc., mais faut faire un commitment dans militaire là quand même, so alors gain doit, là, comme, pour 10 ans comme ça. 10 ans? Oui. Wow. Mais, ou bien, soit fait, soit, quand j'ai fait le nom dans l'université, c'est ton programme 4 ans, font bachelor's degree, etc., et que vol en fait partie de bachelor's degree. Hein. Mais il y a un autre programme que nous relèvons le Zero to Hero, que yo prend, que comme si, ou pas qu'on a rien du tout, et soit on commence à zéro, et il faut faire vol 5 jours par semaine, peut-être 8 heures par jour, et par le temps, peut-être 8 mois, 9 mois, comme ça, ou bien toute licence, etc., ou que vous avez besoin pour venir en pilote pour une ligne commerciale. So, gain private, instrument commercial et airline transport pilot, c'est non différentes licences que vous avez besoin pour venir en pilote dans une ligne commerciale. So. Je dis, c'est la première fois que j'ai eu une chance pour me piloter un vol qui a sorti de Miami, qui a atterri direct, arrivé à Port-au-Prince. Donc, 4 niveaux, ça, qui est dans la carrière comme pilote. Est-ce que, bon, je suis sûr que vous n'êtes pas obligé de faire tous les 4? Bon, ça dépend de qui ça voulait faire avec licence là. So, première licence là, on licence, it's called private, mais so, ça veut dire privé, on licence privé. Soit qu'à faire avec là, ou qu'à gain avion port ou bien louer ti avion port et puis ou voyager tête tout et examen mon pa gen do moun pa gen do payer pour ça le moun commencer payer ça veut dire que ou va faire vol commercial sou besoin licence qui est commercial sou veut travailler avec licence ou besoin licence commerciale alors comme si sou ta veut travailler pour une compagnie qui pas en ligne aérienne on so on vol privé comme si en compagnie privée etc. Ou vle moun peyo, faut gen licence commerciale là. Pour sou vle travay comme un pilote de ligne commerciale, ou a besoin tout. Ou a besoin tout parce que dernière licence là que me di là c'est les airline transport pilot license et ou besoin ça pour travay dans ligne commerciale. Là. OK. Maintenant et je dis là ou peut-être pas fait carrière militaire, là. Mais est-ce que si vous tombez son avion militaire aujourd'hui, est-ce qu'on pilote l'hôtel? Même si vous avez une licence, on retire une licence là. Est-ce que au monde qui conduit un avion, tant qu'on Boeing par exemple, qu'on pilote un avion militaire? Je pense que au monde qui pilote comme si un Boeing, etc., il peut-être pas comme si craser avion. Je pense que comme si yo gen kap konnen ki jan exactement pou piloter avion militaire lan parce que tout avion yo gen même yo utilize même comme si nan science aérodynamique. Excusez-moi.
aerodynamics, comment okay. comment dire ça? Aérodynamique? Oui, aérodynamique. OK, OK. So, ici, c'est même comme si, même, même science, ça. Yeah. Mais, yo tout gen ti bagay différent. Yo bouton, mm-hmm. yo gen dwa sou yon bol, lota son lot bol, oh, et sa gen dwa gen instrument sa la dan, ke lot la pa gen, etc. So, alors, peut-être yo pa krasé avion, mm-hmm. men, ba pchita di yo, oh oui, yo kon pilote avion. OK, OK. Mm-hmm. OK, maintenant, ou di ke ou te, à 17 ans, ou pou un plaisir senti ou en l'air. Mm-hmm. C'est le sa ou vin, dit à tout, I want to become a pilot. Et je dis, hein, qui ou est-ce que y a même feeling ça ou même chaque fois que je voler ou content ou même passer temps là? Bon, réalité hein, c'est que bon réalité hein, vraiment c'est que je pas aimer travail. Mais comme obligé travail vraiment l'aime penser de comme si qui l'autre carrière me déca fait, pas ouais tête moi dans l'autre bagage du tout. M'aimer piloter avion, m'aimer être dans l'air. Da préférer le faire pour une compagnie que me fait pour moi que m'a travailler pour l'autre monde mm-hmm. mais si m'obligé travailler pour un monde c'est ça d'aimer me faire. Wow. Mm-hmm. OK, ça veut dire que et je dis même si tu as quitté American Airlines ou tu as ton propre business ou tu as un moyen mm-hmm. pour monter en aérien ou tu as fait. Exact. Et oui. piloter chaque régulièrement. Oui, ou bien bon, l'aimer. Maintenant dis-moi, nous peut-être pas développer ça plus dans notre deuxième partie de l'émission, mm-hmm. parce que nous allons parler de Explore. Mais qu'est-ce que ça dit vous, en tant que haïtienne, en tant que femme, en tant que noire, je veux dire, en capitaine, qui a mené des milliers de monde, de nations différentes, dans des endroits différents, et qui comptait sur vous pour arriver? Bon, franchement, l'aime te rentrer ou bien faire décision rentrer dans carrière ça on pas penser de tout pareil ça yo on pas même réaliser que oh pas vraiment grand pile fille qui fait pas grand pile fille noire et fille noire qui haïtienne pas penser de tout pareil ça yo et on pas croire que avant vol 6 octobre là t'est passé que réaliser qui impact ça fait pour l'autre monde. M'étais tellement juste focus de ça m'a fait ça me voulait faire c'est de ça m'a parlé. So alors qu'on y a l'homme de comme si qui ça voulait dire pour moi son fierté pour moi vraiment mais plus ou elle que peut-être ça m'a envie m'a vu que son inspiration pour l'autre monde m'a vu que yo aime ça m'a fait et que yo réalisé que yo ca fait ça yo fait ça yo voulait faire dit que n'importe ça yo décidé mettre tête yo focus sur lui que si yo gain discipline si yo persévérer yo ka faire. Nous allons prendre première pause nous à soir nous raconter à parler avec capitaine Tara Ernest dans deuxième partie show on va parler en pile de exploit ça que lui réalisé en tant que personne mais surtout en tant qu'haïtienne. Après envoyer de l'argent n'a pas toujours été facile. Avec Sendwave, c'est devenu simple et rapide. Là pour faciliter la vie de celles et ceux qui ont dû changer de pays. Ici, là-bas, avec vous. Madame, monsieur, nous retournons pour le deuxième partie racontée à soir. On va rencontrer capitaine Tara Ernest. Capitaine Tara Ernest, je dis en son pilote. Oui. Et moi-même, dans la vie PAM, c'est la première fois que j'ai le privilège de parler à mon pilote. Parce que l'on monte en avion, mais on descend en avion. C'est à peine où il vit chez le capitaine. Là. C'est une rare fois qu'on voit. Donc, c'est pour me dire que c'est une position très prestigieuse pour le monde entier. Mm-hmm. Qui j'en sache changer l'avion? Qui est pas que ça fait sourd? Qui j'en change Tara Ernest? À mon courrier, je dis, qui est pas bon, m'pa, si je suis un genre que ça change vraiment, c'est peut-être libre plus confiance dans la tête, moins parce que j'ai tellement de défis et difficultés, etc., que
pense que je n'ai pas réussi. Et des fois, je doute peut-être moins. Mais comme si, quand il y a là, que je suis sous l'autre bord, toute difficulté, ça y est, il y a vraiment envie de bon, plus confiance et faire comprendre que il y a des fois dans la vie que ou juste obligé travail plus dur etc ou bien obligé persévérer pas laguer et quoi dans tête tout quoi dans tête tout pas mettre limitation sur tête tout et ou t'es parlé de défis côté confronté le pour t'es rentré à l'université est-ce que gien pendant l'université est-ce qu'il y a des moments difficiles pour vivre tout bon passé moment difficile yo vraiment c'est comme si l'aime si ne parler de comme si l'aime de l'école dans high school mal l'école là me rentre dans classe yo pour moi toute bagaille était facile comme si y a bon examen ici et bien l'autre bord me fait bonne note etc tout bagaille facile so dès que mentalité que toute bagaille a vienne facile pour moi l'aime arriver dans collège et c'est pas ça qui passé du tout m'arrivé dans collège là classe était facile mais parti de faire vol yo piloter avion etc li pas de vienne facile pour moi so, ça vienne mettre que ou vienne penser que ou pas bon assez que ou pas capable que quand il y a ça pas pour etc so dans émotion yo ça devine c'est vraiment l'âme de joindre difficulté dans collège okay. Et maintenant en tant que professionnel oui et parcours ça, je suis sûr que pas tout le temps extraordinaire. Et sûrement, tu as une déception, sûrement, tu as un cas content. Dis-moi, sans vivre. Bon, je pense que des fois, ça ne m'a pas réalisé, c'est que dans la carrière, ça prend un paquet de temps. Un paquet de temps pour arriver dans le niveau que je arrive. So, alors, il y a un paquet de sacrifices qui sont faits. Il y a un paquet de bagages qui sont faits que je ne comprends pas. Comme si défini l'école depuis 2012 même pas commencé faire cob jusqu'à ce que peut-être 2020 yo comme ça so entre temps ça yo ou gagne vraiment cap cadeau like bon ou paye l'école ou paye tout comme ça yo et pour sortir et pour ou pas faire cob toujours comme si plutôt elles font leur bagaille mais so gagne parti que quoi font paquet de sacrifices que moun pa comprendre yo pa wè yo juste wè parti ça que m'rive dans niveau ça etc mais yo pa wè tout ça que derrière etc so dans parti ça gen m'pa pense moun konnen que gen tout ça yo que pour dire la vè yo et en tant de que femme nan on carrière qui vraiment c'est garçon qui la donne li ka vin non ti jan comment dire ça lonely et ou ka sentou pou kontou et ou a fon expérience que pas vraiment grand pile moun ki comprend expérience ça so alors ou pa gen moun ke ou ka pale avec yo pou yo fòk comprendre comme si que ou pas pou kontou nan sa ka paso yo tout bagay et cetera maintenant lè ou di que par exemple ou a fon carrière ou senti pou kontou la dedans est-ce que c'est parce que lò gade bon kontou pa grand pile pilote femme exactement ou bien est-ce que c'est yo t'ai gardé non c'est que pas grand pile sou a gardé chiffre yo en tant de femme c'est seulement 6% dans États-Unis 6% dans toute pilote dans États-Unis qui femme en tant de monde noir c'est 4% on mettait tous les deux ensemble li moins que 1 so alors entre femme noir le chiffre là qu'on a c'est moins que 200 de tout pilote dans États-Unis. Et vous connaissez l'autre haïtienne, l'autre femme haïtienne noire qui a piloté? Gen l'autre femme haïtienne, gen deux autres que me connais actuellement. Bon. Gen deux autres que me connais qui travaille. Gen l'autre qui a fait étude qu'on a. Gen yon qui dans cargo et puis gen yon qui dans en ligne régional qu'on a. OK. Maintenant je dis en tant que femme haïtienne wow, et cap piloté on nous dit que l'autre haïtienne qui t'a aimé rentrer dans une carrière comme ça expérience qu'on vive là qui sera dire qui sera gain pour yo comme message bon si gain l'autre femme haïtienne qui t'a aimé faire ça première ça m'a dit au fait
li pa difficile, li pa difficile, mais si c'est ça vraiment que vous voulez, fèl et gen moun ou gen droit pa wè ça, ou gen droit prendre ça pour compte tout, mais gen moun vraiment k'ap support ou. Li gen droit pa fami ou, li gen droit pa zanmi ou, mais gen moun ki vle l pou ou en tant que tête moins d'arrêmer ça pour tout. Et on bagay que moi remen di en pile que c'est que seule limitation vraiment que yon moun genyen, même femme ou pas, c'est limitation mette sou tête ou pou konn tout. So mette nan tête ou. Sou kwa ou pa ka fè ou pa fè. Mais sou décider pa ganyon pa ka fè, li gen droit prendre temps, li gen droit prendre un paquet d'efforts, mais la privé quand même. Si j'en vivre ça, à 17 ans ou rêve au pilote, ou pilote doué. Donc, je vais comprendre la question. À 17 ans, ou t'es rêvé qu'au pilote? Oui, d'accord. Je veux dire, pilote doué. Oui. Qui j'en vivre ça? I'm having fun. Non, c'est vraiment parce que, oui, à 17 ans, je fais décision ça. Et de 17 ans jusqu'à à peu près 30, 31 ans, comme ça, on commence à travailler sans arrêter, sans arrêt, sans arrêt. So, même l'homme d'a fait tout étudio, on commence à travailler dans ceci, dans cela, on pas vraiment gain temps pour comme si pour jouer expérience là. Mais l'aime rivé sous bois ça, quand c'est première fois que me joindre un petit moment, un petit souffle pour me poser, pour comme si garder tout ça me fait etc. pour actuellement jouir côté m'rivé. Mm-hmm. So c'est première fois m'a posé m'a comme si pas grand bagage que m'a couru derrière toujours etc. Et so let me dit I'm having a good time now, m'le dit ça m'a un bon temps pour moi qu'on y a. L'on dit que pas grand couru derrière encore. Mm-hmm. Est-ce que cela veut dire que ou pas grand on bagage ou viser dans moment? Non, ça, non, pas du tout. Ça juste voulait dire que pour moi, me satisfait. Me mm-hmm. satisfait avec tout effort metté pour me arriver là et me satisfait avec que me arriver là etc. Mais ça pas veut dire que me pas gain l'autre bagaille que me t'as envie faire, l'autre rêve me t'as envie réussir etc. Mm-hmm. Mais me juste penser avant te gon courir, c'est parce que j'ai besoin. Tu es désespéré. Oui, exactement. Mais qu'on y a, c'est plus que son bagage que l'autre bagage que j'ai envie de faire, c'est bagage que je l'ai fait. Juste parce que. Est-ce qu'on vole en avion pendant un l'air et puis on dit est-ce que c'est moi? Je pas pensé m'chita m'di est-ce que c'est moi, mais quelques deux fois m'chita en l'air m'di wow parce que c'est que des fois ou tellement focus sur tout ça qu'a privé ou pas prendre temps pour réaliser ou dans l'air. Oui, tout le monde comme c'est tout le monde monter avion tout le temps, mais yo pas réaliser que yo dans l'air là, like, que ça veut dire etc. So des fois spécialement que comme si la m'chita devant m'a regarder nuages yo m'a regarder moon m'a regarder etc. et que ou juste dit wow. Qu'est-ce que dire là quand elle arrive moi pas songer ça fait longtemps, c'est pas que des peur avion pas mm-hmm. peur avion encore, mais que peur avion et puis m'en l'air comme ça. Pour un moment, je me suis oublié si je m'en ai. Et puis, pour me distraire, je me dis, qu'est-ce qu'on a mis là? Et puis, moi, j'ai compris. Donc, c'est peut-être l'inverse de ce vivre-là, où je vais contempler les airs. Moi, je me suis réalisé que je m'en ai et puis je me suis peur, tout carrément. Même si c'est une belle expérience, voler, moi, je me sens pile. Donc, je me suis dit, je me suis dit que je suis pilote. Pour le galerie. Oui. Ah, non. Et pas toi, t'as. Vous savez comme ça que le galerie pour m'atterrir en Haïti, est-ce que, pour moi, est-ce que forme géographique là devant, est-ce que ça arrive déjà? C'est comme ça, lié, non? Bon, des fois, ou quand elle est sous ou assez, ou pas pour elle à atterrir, parce que c'est comme si, pas le temps à atterrir ou tellement bas, c'est comme si vous êtes dans machine. Mm-hmm. Mais là, en l'air, ou bien doit avoir forme là. Ok. Ouais. Ou faut faire photo au moins on l'œil. Normalement, nous pas si vous avez fait photo pendant ce temps voler etc. Okay. Oh, OK. Mais
Peut-être gaz en âme. Maintenant, ou dit qu'on a un rêve, et qui pour moi est intéressant, et m'a demandé ça, un rêve, ça, hier. Vous voulez partager avec nous? Bon, nous font parler de ça un petit peu avant, et je pense que rêve, moi, qu'on y a, t'as pour mon propre ligne commerciale basée en Haïti. Ton gros rêve, oui. Ton gros rêve. Et d'abord bon que un monde qui est en domaine là qui vive dans niveau élevé dans domaine là et puis décide qu'on y aille en Haïti. Bon, bien que me connais que il pas facile. Non. Il pas facile. Pas facile, mais j'aime dire lance, ça va être une bagarre. Et on doit prendre temps. Ouais. Mais depuis me vivant toujours, me cas marcher ça. OK. Et dans qui point que ça intéresse pour quand c'est Haïti intéressant, parce que ça étonne même que on pense à investir au bail comme ça, mais pour monter un projet comme ça en Haïti, dans qui point Haïti intéressant? Haïti c'est là quand même qui l'autre côté d'avait me fait. Non, vraiment, même m'habite ici, mais pas de gens voulaient rester ici. Toujours, j'ai toujours voulu retourner à Haïti. Je comprends que je viens ici pour opportunité, pour éducation, etc. Et d'accord. Mais pour moi, la caille, c'était toujours Haïti. Et je voulais retourner à la caille. C'est là que je me sens, c'est là que je me sens mal à l'aise, c'est là que je me sens que. C'est là que je me sens bien. So, alors, pour moi, tout le bagage que je fais, tout le bagage que je pense, je toujours pense pour me joindre aux gens en façon pour me retourner à la caille. Chaque année, cette année, living on is un peu difficile pour moi qui j'ai jamais fait, mais beaucoup de espoir pour moi retourner la caille. C'est bien, c'est bien. Moi, je pense que chaque grand monde qui a accompli des choses dehors et pense à retourner la caille, je pense que c'est extraordinaire. Moi, je me toujours dit ça. Moi, je pense que le pays a plus besoin que ici. D'accord. Parce que quelque chose ça m'a fait là, je dis. Il y a 10 000, 15 000 natifs natal pays qui ont fait. Moi-même, je peux peut-être exercer une profession, libre pour moi pour vivre, pour fonctionner, mais en termes d'utilité, je pense que je ne peux rien pour personne ici. Donc, je pense que c'est intéressant. Et avant que nous puissions aller à notre troisième partie émission, hein? Qui ça veut dire pour vous? Ok? Ou parmi. Femme noire, ou haïtienne, l'or haïtienne qui a piloté, qui ça veut dire pour un accomplissement pareil dans un monde qui peut-être un pile moun ap chache même bagay et pour sortir du lot parmi yo? Ça veut dire pour bon, troisième question, ça est vraiment, pas vraiment j'aime penser de l'idée, dans le sens que pas penser que moi-même, comme femme, comme haïtienne, comme fille noire, qui vient pilote, je ne pense pas que c'est un gros exploit. Dans le sens, pour moi, ce qui est plus important, c'est que je valorise tête moi, je porte tête moi avec fierté et dignité, je fais famille, fierté, pays, fierté. So, alors, depuis, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ma connaissance qui arrive pour répondre, non? Mais, moi, je pense que. Je pense que. Je n'ai pas de réponse, non? Je n'ai pas de réponse. Je suis content que je suis là, mais je ne pense pas que c'est plus que je suis dans la vie. Moi, le fait que je ne pas avoir une réponse, livre le dit en pile. Livre le dit que. Et li juste une étape dans la voie. Exactement. OK. Donc vous venez pas même capable expliquer ça le fait sur, comme effet parce que c'est sur route l'allié. Oui. Oui. Parce que vraiment nous je dis moi comme si les mal travail maman par exemple, dit, oh mais pilote là, mais pilote là, mais vraiment pilote là c'est juste un bagage que me fait, c'est pas monde que m'y est, hein? C'est pas personnalité, c'est pas caractère, c'est pas comme si c'est pas juste un pilote. Nous sommes sœurs, nous sommes petites,
son grande petite so son ami etc. So alors pour moi bagay sa yo fait plus fier qualité de moun mwen ye, jam ye avec l'autre moun, jam ye avec famille, jam moun wèm. Ça fait plus fier que pilotage là etc. Wow. Là pour le deuxième bout de masque là. Et on retourne, c'est pour la dernière partie de l'émission racontée. Jodi a, mwen fin présenter nou StreamTech. StreamTech, c'est une compagnie qui spécialise dans live video production and marketing. Ou ta reme produit propre show online pa ou, pas de problème. Nous gagnons un gros studio là, dans Miami Gardens. Et en plus, nous spécialisons tout dans live event, tant que mariage, conférence, funérailles, private party, business launches. Nous arrivons dans la dernière partie de l'émission. Nous avons reçu le capitaine Tara Ernest. Capitaine, dis-moi, ça ça veut dire pour vous? Vous volons avion? Vous avez un paquet de monde sur le compte? Ou atterri? Qui ça veut dire? Qui sentiment ça crée la carrière? Ça veut dire que je fais un job moins. C'est pour ça que je paye. Je paye pour prendre soin de passagers. So, alors, si je arrive, nous monter. Et puis nous atterrissons sans problème, sans rien. Son bonjour pour moi. Son bonjour pour moi. Me fait ça, me supposé faire. Il y a deux fois où atterri, ça qu'on y veut me voler avec deux trois monde et puis tout on a clamé leur atterri. Mais il y a une fois tout que pas fait. Est-ce que un feeling spécial que le pote pour vous ou réaction comme ça? Pas quoi ça, parce que vraiment penser que les monde mon fait ça c'est son bagage culturel so dépendant de qui côté avion sorti etc. Ou pour gagne moun k'a pas bravo etc. gagne moun k'a prier k'a dit amen et puis gagne l'autre côté comme si yo fait comme si son bagage normal que yo fait chaque jour etc. So alors pas vraiment li k'a fait rire li k'a fait plaisir mais pas vraiment pas en pile de li. La vie c'est un voyage. Je dis, on a volé matin, midi, soir. Et par contre, quand tu te voles, on gagne par semaine. Et on gagne plus le temps pour réfléchir, on gagne plus le temps pour inspirer tout, de voler, de atterrir, de réaction mounio, de peut-être des remerciements tout. Parce que le descend en avion, il y a eu du merci, il y a pas de deal. Maintenant, tout, le combien de tout ça, yo, ça la vie après nous. Ça la vie à peine moi. Bonne question. Hein? Pense si m'ta parler premièrement, ben c'est plus gros leçon, c'est que dans la vie pendant on essaye faire des choses, a gen moun qui pa kwè nan ou. A gen moun k'ap vin di ou que non pa ka faire ça. Et normalement moun sa yo c'est moun qui pi poche de ou. So c'est pas comme si étranger que ou pas connaît etc. Li gen droit parents, li gen droit professeur, li gen droit amou, et oh, ou fou. Comme si pou ça ça ou fait etc. Et leçon c'est que faut quoi dans tête ou. Malgré mon abdou non etc. on pas ka fèl. Même le que comme si ou pas réussi. Faut toujours quoi dans tête ou. Parce que n'té gon un mentor. Parce que m'de gon examen que m'a pas réussi là-dedans. Li te dit faut commencer penser pour me quitter carrière ça. Et si m'était un monde qui pas de quoi dans tête, moi m'te gen droit quitter. De gen droit la gueule et font l'autre route avec la vie et m'a la plache là devant. So alors c'est une leçon pour moi que c'est pas tout le monde qui proche ou qui comprendre pas quoi apprendre. And that's okay. Yo pas obligé comprendre ni. Mais ou même faut sur notre tête tout faut connaître pour qui ça va faire ça va faire. Oh.
Qu'est-ce qui était plus gros source motivation par rapport à découragement et difficulté, défi qu'au junior? Bah même mon team bah fait bah. So là team ça son défi pour moi que so qu'on y a ouvre les montres comme gaffel. Ça c'est ton motivation. Plus encore d'agadi pour moi moi-même des au moins des gain support famille. Des gain support ça même gain une très bonne famille et the best zami in the world. So même le map dit oh m'a quitté ça yo pas quitté m'quitté là. Et aussi que comme si les m'a grandi, les m'entre ici, m'a grandi ici, m'a regardé Jean maman m'a travaille chaque jour pour opportunité ça. Devle, m'a devle comme si son opportunité que m'pa prend. Que m'quitté la travail dur comme ça sans pas faire rien avec ça la PCI porter pour moi etc. So c'est une motivation pour comme si même s'il pas dit il pas facile faut m'arriver côté me besoin rivé. Bon. Maintenant je dis et rivé côté toujours souhaité. Et moi connais quoi vivre une expérience extraordinaire parce que ou dit et moi sûr que même pas droit vivre expérience aujourd'hui. Qui va gagner des jours. Bon. C'est pas vivre ma vie là, pas une vie facile dans le sens que premièrement dans le sens physique. Comme si horaire moins changer tout le temps. Des fois m'a fait vol dans mitan nuit là, des fois m'a fait vol grand matin, etc. So, le dormir toujours a changé, etc. So, physiquement, li ont problème. Deuxièmement, m'a dit que, en tant que femme dans carrière, ça, ou obligé deux fois pi bon que monsieur. Ou pas ka, comme si, si ou prend André Lel Joe, par exemple Joe font bagay comme si pas bon un mauvais atterrissage par exemple il a juste dit oh Joe gon mauvais jour jodi a et ba rien ba rien moi même si mal font mauvais atterrissage il a dit oh moun noa pa ka piloter femme pa ka piloter etc. So m'a porter tout chay ça sou dom. So ça fait que comme si il fatigant que toujours obligé à marcher SS 24 sur 24. So gen petit problème ça yo qui ka on ti jan décourageant mais tellement na bagay la longtemps comme ou vin habitué. C'est quoi bagay que ou regrette. Sali. C'est quoi bagay que ou regrette. Pas vraiment penser rien que me regrette et c'est pas dit que pas rien bagaille que me d'aller mettre différent mais me pas penser que d'ap monde moi aujourd'hui hein me t'ap gain mentalité que me gain aujourd'hui hein ou bien me t'ap chita devant aujourd'hui hein si me pas fait parcours en gens des fait là. So me t'ap chita devant là et dit que gon bagaille que me regrette vraiment si gon bagaille que me d'aller même d'arrêter que juste 6 octobre là dépassé avec famille à bord volant même pas gagne opportunité ça. C'est pas que pas village façon que d'autre travail là, on travaille on call. So alors pas même te connaît que voler. Que n'a pas fait vol ça. C'est nuit avant que m'ai apprendre ça et deuxièmement dans époque ça t'es gagne la mort dans famille, so un paquet monde dans famille était déjà pour Prince Haïti. Okay. Pour nous finir avec ces questions yo. Moulin devait nous faire après ça mais après. Ces questions yo. Et regarde l'exploit que ça fait. Tout le ça fait dans la communauté non. Yo poster tara tout côté. Qui ça t'es dit pour comme si pas seulement ça le dit pour en termes de satisfaction personnelle non mais qui wake up call que l'on
Bon, ça me trouve comique là. Sur les mon connais m'a fait vol là. OK, me rentrer dans l'avion, me dit bon, OK. Bon, faut pas la mounio, mais c'était en tant que me pensais me tap. Me content vraiment parce que c'était un bagage que me toujours fait, me voulais faire peut-être moi. Mm-hmm. OK, c'était toujours un bagage que me voulais. Donc me dit OK, m'a pas la mounio, m'a dit mais ça va passer, mais pour qui ça me content et me tap juste souhaiter que yo ka jouer moment avec même pas vraiment penser que yo tap care yo tap care so alors yon nan hotes yo filmé et puis yo mette l sur Twitter et moi même comme si l'aime monter devant me faire mettre des formes etc. So alors les bagages là al living viral m'pa kon ça m'pa konnen ça so ma tèri pou ou prince téléphone m'ap sonne konn m'ap pèl fami m'ap rele non sa prele non yo konnen m'ap travay m'pa reponde telefòn mwen et cetera m'chita nan avyon m'fita tèri oui m'chita m'ap fè ceci m'ap fè cela paske mwen menm panse son bagay ke m'tap celebre pou kont mwen mwen a di oh rentre an dan si a m'ap vini pa yon problème et cetera so après 10-15 minutes m'chita devant et cetera m'resi sorti m'rentre en dedans et c'est là ça l'aime rivé en dedans moi tout le monde campé yo paré pour recevoir et cetera yo te gen speech à parler et je dis à lui que tout est une première fois qu'on a ici parce que toi comme il va pas le dire dit que nous regarde lui de la connexion Tarames. Oh, mais toute histoire, etc. Et c'est là ça que me réaliser que c'est un moment que tout le pays a fêté avec. Mm-hmm. Que c'est pas juste moi-même qui était content. Et c'est là ça que me vraiment ouvrir que, qui symbole que m'y est pour le pays, spécialement en temps de ça, ça que t'as passé là ça, c'est seulement mauvaise nouvelle qui t'a sorti, de pays, hein, so, c'est là ça me réaliser que tout le monde était content avec moi, que j'ai fêté avec moi et j'ai célébré avec moi. So, vraiment m'pa vle yo pense que ça va toucher moi. Mm-hmm. Vraiment vraiment toucher moi et m'espérer que m'ka toujours continuer faire yo. Et souhaiter m'ka toujours être fier de pays. Wow. Dernière partie dernier séquence émission c'est fait intégral, m'intégrer l'autre jour au show, m'a fait la photo. OK. M'a boy un mot. OK. Mais on va lui m'a proposé deux mots. OK. Parce que je connais que mais bizarrement m'a prendre le domaine. OK. C'est ou bien bo plane, mm-hmm. ou bien bo avion. On va me sauver. OK. Maintenant moi je veux que avec chaque lettre ça ou font phrase qui fait sens. Mop deux fois. Il y a l'autre qui est de l'école. On essaie pour moi. On essaie pour moi. On fera. Oh non, faut me faire. Faut me guetter pour. Bon exemple. Ok, d'accord. Alors, on dit si on dit AJSA. Ok, AJSA me fait association. JA, des jeunes. S là, soucieux. A, de l'avenir. Association des jeunes soucieux de l'avenir. Là, son bail comme ça. On sait, en français. Mais on a Simbo. Est-ce qu'ils sont pas plane ou bien avion? Parce que m'oblige. It could be in English, in French, in Creole, plane however you want it. Ou avion. Moi, qu'est-ce qui est moins slick? Plane avion. You know that. Ok, ma PC avec. Avec plane. Plane. Non, bon, on fait avion. Avion. Et ma fait en anglais. So, on dit A-V-Y-O-N. So, A. A. Very. Open. Oh, so they were not. Very. A very. Y. A very.
Est-ce que phrase là oblige à faire sens? Yep, faut faire sens, oui. Est-ce que l'oblige à faire sens à qui est? Ça voulait faire. Ok, a very young. Open. Nurture. Ah, vous avez fait ça, vous n'êtes pas tout le temps avec nous raconter. Merci d'avoir reçu. À la prochaine. À la prochaine.